Maintenant, on va voir les origines qui se trouvent sur une MOCN. Premièrement, on va voir l'origine mesure, OM, qui est un point défini par le constructeur par rapport à un repère physique sur chaque élément mobile. Voilà, c'est l'origine mesure. Deuxièmement, on va voir l'origine porte-pièce, OPP. Donc le porte-pièce peut être soit un mandrin, soit une table magnétique, par exemple. Cette origine est un point caractéristique du porte-pièce. Elle est facilement accessible et participant à la mise en position de la pièce. Voilà. Donc il se trouve sur le porte-pièce. Dans notre cas, c'est un mandrin. Voilà. Donc les origines, on les note comme ça. Troisièmement, on a l'origine porte-outil, OT, ou origine torrent, qui est le point de contact de la machine par rapport aux portes-outils. Voilà. Donc c'est le point de contact entre l'outil et le porte-outil. Pour la tourelle, il se compose de plusieurs outils. Donc quand vous mettez un changement d'outil dans votre programme, elle met à votre disposition l'outil en position de travail. Donc quand vous appelez l'outil par exemple numéro 4 ou bien numéro 5, elle met en position de travail cette fraise-là. Enfin, on va voir l'origine programme qui correspond à l'origine du repère à l'aide duquel on va déterminer les coordonnées des points programmés. Ces points-là, ils constituent la trajectoire par laquelle passera l'outil pour faire l'usinage.